Il n'y a pas très longtemps que Thibaut est arrivé dans la grande ville. Il n'a pas encore de copains. Il a bien vu deux garçons qui jouent dans la rue, Pierre et François. Mais il n'a pas osé leur parler. Il a peur de ne pas être accepté. Ce soir, c'est Noël et sa maman lui demande, tu sais ce que va t'apporter le Père Noël? Thibaut lance des copains. Mais non, il sait très bien que les copains, ça se met pas dans un papier cadeau et ça s'accroche pas dans le sapin. Alors il dit, je sais pas. Ne t'inquiète pas, dit maman. Le Père Noël va trouver. Thibaut se couche et s'endort. Pas pour longtemps. Vers minuit, un bruit le réveille. Et là, dans sa chambre, le Père Noël est assis au pied de son lit. Il a l'air très embêté. Il se gratte la tête et Thibaut lui demande, bonsoir Père Noël, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? C'est que oui, dit le Père Noël, oui, j'ai un problème. Rien qui te concerne, Thibaut, hein, ne t'inquiète pas, rien qui te concerne. Mais voilà, j'ai perdu le cadeau de François. Donne-lui le mien. C'est la réponse de Thibaut. Mais comment, dit le Père Noël, si je lui donne ton cadeau, toi tu n'en auras pas. C'est pas grave, dit Thibaut. Je préfère ne pas avoir de cadeau plutôt que de savoir François triste. Le Père Noël sourit et lui dit, laisse-moi te dire quelque chose. Figure-toi que, avant de venir chez toi, je suis passée chez François et je lui ai dit, j'ai perdu le cadeau de Pierre. Et il m'a dit, comme toi, donne-lui le mien. Et puis ensuite, je suis allée chez Pierre. Et je lui ai dit que j'avais perdu ton cadeau. Et pareil, donne-lui le mien. Alors, je ne sais pas, Thibaut, mais il me semble que tous les trois, vous avez bien des choses à vous dire. Le Père Noël reprend sa tournée et Thibaut s'endort. Le lendemain matin, au pied de son lit, il découvre un énorme sac de billes. Des billes, mais c'est super! On va pouvoir faire des circuits avec des tunnels et puis des courses. Ah ouais, mais des courses tout seul, c'est pas très amusant. C'est à ce moment-là qu'il regarde par la fenêtre et qu'il aperçoit, au bout de la rue, Pierre et François, un énorme sac de billes à la main. Et tous les deux lui font des grands signes.